percez-vous, conne de mouette. Tiens, voilà. Putain, t'en as séché une, là? Deux, même. J'ai plus d'énergie, je suis fatigué. Prends un soda. Ah oui. Salut les poulets, c'est Snake Ace. On se retrouve aujourd'hui avec Nanan pour un nouvel épisode sur The Forest. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Tiens, il tombe vers toi. Aïe, je suis mort. D'accord. Il a glissé. Ton personnage? Tu peux me ranimer, s'il te plaît? Mais qu'est-ce que t'as merdé, là? j'ai coupé un arbre, il est tombé de l'autre côté où j'étais, mais je pense qu'il a glissé vers moi, je suis mort. Qu'est-ce que t'as foutu? Alors par contre, tu m'excuses, vu ta position, je vais d'abord en profiter un petit peu. Ça t'ennuie pas, on est en forêt, on est entre nous, il n'y a personne. De toute façon, ma caméra est bloquée, je ne verrai rien. Gauche, à droite, ok, c'est bon. En plus, j'entends mon personnage qui fait des petits... Oh yeah. Oh, je t'en mets un petit coup. Mais cette posture à quatre pattes sur le rondin, quoi. En mode soumission. Ah, c'est peut-être là qu'il faut utiliser la balle de tennis. Pour la mettre dans la bouche. Le cochon de lait. Le petit porcinet. J'ai cru voir un gars bouger au loin là-bas. Ok, il y a... Ils cherchent leurs potes, les gars, là. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Qu'est-ce qui leur arrive à ces trous du cul? Tu les vois les deux là? À ton pote, bah ton pote, t'es pas prêt de le revoir mon gars. Bye, my friend. Putain, il fait trop mal son culé hein. Il travaillait au sol. Ouais. Normalement sur leur tête, il va être vachement moins emmerdant. Je me rapproche du feu parce que j'ai froid. Attends, t'emmènes le gars. Ah mais tu l'emmènes vivant le mec? Non non. T'es sûr de toi? Parce que quand ils sont comme ça, ils se relèvent hein. Bon là avec un bras en moins, peut-être pas en fait. Quoi de mieux que découper deux humains au coin du feu? Ah bah pour passer des soirées. L'hygiène des indigènes laisse un petit peu à désirer. T'invites des amis, tu te fais un barbecue, tout ça quoi. Je te fais une ambiance. Hop et je prends le reste du corps. T'as laissé les bras, la tête, y'a pas de problème quoi. Dans l'enclos à lapin. Mais c'est marrant, regarde-moi. T'as vraiment pas la gueule. Alors, je retire ce que j'ai dit, t'as vraiment la gueule d'un mec qui découpe les gens. Hein. T'as vraiment une tête de psychopathe. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de ce gars-là? On le découpe quand même. Hein. On va pas gâcher les bras. Ah bah oui, oui. Est-ce que tu peux manger les cannibales? C'est le cycle de la vie, un petit peu. C'est l'histoire de la vie. On part sur une cuisse, hein, y a plus à manger, je pense. Ouais, c'est bon, ça le fait. Je te prépare une cuisse. Vas-y. Tranquillement. Ah, hop. Ah, bah j'avais faim. Sérieux, t'as mangé une jambe, quoi. Ah ouais, bah ça remplit tout. Ouais, puis merde, allez, vas-y. Hop là. C'est pas dégueu, en plus, hein, ça se mange. Vas-y, hop, deuxième jambe. Mon estomac et mon énergie. Ah non mais c'est vachement nourrissant l'indigène en fait hein. On se fait chier à capturer des lapins, des tortues, des machins. Mais on va juste manger les jambes aussi hein. Ouais voilà, bah les couilles en fait. Faut s'adapter. Il y a un moment, si eux ils sont devenus cannibales, c'est pas pour rien. Eh nanan. Ouais.
Tu me sers la main? Vas-y, fais un high five. Attends, faut qu'on trouve un bras. High five. High five. Attends, trouve un bras, trouve un bras, on va faire high five. Yeah. Ucht. Énorme. On va essayer de gifler une mouette. Attends, est-ce avec. Est-ce que je peux trouver une mouette? Ouais. Ah ouais, y'a moyen. Tiens. Vas-y, gifle une mouette avec ça. La pute, elle saute. Viens par là, toi. Petite. Moi, je t'ai vu taper dans le vide. Et d'un seul coup, tu sors deux troncs d'arbres. Ok. D'accord. Je suis un magicien. Le prochain indigène qui arrive, je le matraque à coup de... tu le gifles? Je le gifle avec le bras de son pote. Putain, y en a un. Ici, enculé. Ah, y'en a deux, mais... Ah, y'en a trois, mec, fais gaffe quand même. Ouais. Attends, c'est la gonzesse, il faut la gifler avec le bras. Vas-y, chope là, essaye isolé. Aïe, ils m'ont tué, les bâtards. Aïe, ils attaquent dans le dos, les fumiers. Et ils sont en train de te massacrer pendant que t'es au sol. C'est mon pote, tranquille. Va t'enculer. Ah, je vais y passer aussi. Oh, purée, je vais décéder. Ils sont en train de te gangbang, mec, je peux rien faire pour toi. Laissez-le! Bande de fumier! Moi je vois rien du tout, c'est l'écran tout noir avec un peu de lumière qui tourne. Putain, genre essayé de t'aider, hein, mais ils m'ont pété la gueule. Je vois personne! Chut, infiltration. Oula, attends. Attends, on fera peut-être bien éteindre les briques. Ou alors ils sont en train de bouffer leurs potes. Ça arrive carrément, ouais. T'as une petite démarche, mon pote. Quand tu t'infiltres, tu rigoles pas, quoi. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des rames et font coin coin. J'ai trouvé une arme. Ah oui, il y a l'atelier. Un caillou. Laisse-moi passer, je suis armé. Vas-y. Si, moi j'ai un bâton. C'est bon, la voie est libre. Ok. Y'a un tas d'os là par terre, je pense que c'était ton corps. Ou le mien. Aïe. Pardon. Je me suis un petit peu emballé. Aïe. Tiens, coup de pied. Y'a le fumier. Bah j'appuie sur E. Écoute. Ça a pas l'air fulgurant. On va voir ce que ça donne, bah ça va pas pousser tout de suite après. Hein. Ah, j'ai trouvé une jambe qui traînait là. Est-ce qu'on pourrait pas? Tiens, voilà, traps. Bah, on va faire des... Ah, y'a encore un mec. Y'a un gars qui te court dessus, gars. Qui? Il est où? Il est là. Viens par là, toi, petit bâtard. Flip sa race. Il se fait démonter. Ah, il perd des dents au fur et à mesure. Le gars se fait littéralement péter la gueule, quoi. Il est en train de perdre toutes ses dents par terre. Ah, je crois que là, il est bon, là. Si, tiens-le, je lui mets un bâton dans le cul. Je suis en train de lui découper la tête avec la jambe. Attends, lâchez pas, il faut que je trouve... Ah merde, faut que je trouve un bras, je voulais le fister. Bon, voyez. Ah bah attends, je vais prendre son propre bras. Oui, j'allais dire fister avec son propre bras. Chercher plus loin. Aïe. Pardon. C'est rien, c'est moi. Je me suis trop approché. Le boucher charcutier, c'est un métier. Là, j'ai le bras. Ok, je le fiste. Je pense qu'un objet sporadique, ça marche pas pour... Ah non, mais il lui fait un tranché de rondelle là à la place. Ouais, bon bah là on n'en tirera plus rien. Ah, on peut peut-être faire un jeu, attends. Avec une jambe, peut-être on peut faire un foot avec sa tête. Ah, j'ai posé sa tête. Le pauvre. Cassez-vous, conne de mouette.
Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu juste en dessous. Gardez la pêche! Ha ha.